ça fait la 8e année qu'on se déplace sur Torremolinos. On vient dans cette région espagnole pour leurs infrastructures. Bassin de 50 chauffé toute l'année, une météo qui est assez agréable sur toutes les saisons. On a un hôtel en pension complète à 10 minutes de la piscine. Alors on se déplace, ça dépend en fait de l'année. Là par exemple cette année, on est venu avec les juniors sur les vacances de la Toussaint pour préparer les ballets, faire des montages chorégraphiques. Et ensuite, on reviendra au mois d'avril avec les avenirs et les jeunes pour préparer les divers championnats. Moi, c'est la première année que je viens puisque je suis arrivée au Girondins en septembre. J'ai changé de club là très récemment. Donc c'est mon premier stage à Torremolinos. Donc moi, j'entraîne l'équipe de juniors. Donc c'est une équipe toute neuve puisque pour les trois quarts, c'est des nageuses qui viennent de clubs aux alentours de Bordeaux et qui se sont licenciées pour la première fois cette saison. Donc l'objectif premier du stage, c'était vraiment la cohésion d'équipe puisque les filles ne se connaissaient pas. Et après, au niveau sportif, c'était de terminer le ballet libre. Donc c'est chose faite puisqu'en 3 jours, on a terminé le ballet. Et puis je signe pour tous mes stages à Torremolinos sans problème.